Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pedro Alonso. Me enorgullece anunciar que el ladrón más poético, Berlín, está de regreso en su propia serie en Netflix. Su muerte os había conmovido, ¿verdad? ¿Quién mejor que el forense para hablar de ello? Disfruta viéndolo. Y no lo olvides. Puedes perderte tu vida, pero no tu muerte. Un braqueur en moins dans une équipe, c'est une part en plus pour les autres. En voilà un qui fait le bonheur de ses camarades. Il comptait repartir avec 4 millions, il est reparti entre quatre planches. Braqueur, c'est vraiment un métier mortel. Depuis le lancement de la plateforme, nombreuses sont les séries Netflix devenues de véritables phénomènes. Et en 2017, toute l'attention des spectateurs s'est portée sur une série espagnole qui rencontra un succès aussi immense qu'inattendu. Ah, l'Espagne, son flamenco, sa sangria, ses fiestas et ses braquages. La Casa de Papel raconte le braquage audacieux de la Fabrique nationale de la monnaie espagnole. Une histoire trépidante, notamment grâce à ses nombreux rebondissements. Un rythme qu'on n'avait pas retrouvé depuis Prison Break. Mais ce qui lui a permis de définitivement conquérir le public, c'est son iconographie. Pour sortir du lot parmi les nombreuses séries de la plateforme, il fallait se distinguer. Et avec la combinaison rouge et le masque de Dali, la Casa de Papel attirait fortement l'attention. Ajoutez à cela une musique emblématique devenue son hymne officiel, et vous tenez là les éléments accrocheurs justifiant son fort pouvoir d'attraction. Et derrière les masques, des personnages attachants. Une autre réussite de la série, c'est son casting. Pas moins de 8 braqueurs pénètrent dans la Fabrique nationale de la monnaie. Chacun avec sa personnalité et un nom de ville pour nom de code, comme Tokyo, Denver, Moscou ou Helsinki. Des profils variés qui permettront à la série de développer de nombreuses histoires secondaires. Avec autant de personnages, chaque spectateur pouvait avoir son braqueur favori. Moi aussi, j'ai mon petit chouchou. Berlin est l'un des personnages les plus emblématiques de la série. Interprété par l'acteur Pedro Alonso, il est connu pour son charisme et son autorité naturelle. Brillant stratège et leader excentrique, il est capable de prendre des décisions difficiles lorsque c'est nécessaire. Féru d'art et de culture, Berlin inspire aussi bien la crainte que l'admiration chez ses coéquipiers. C'est cette personnalité complexe qui en fait un personnage fascinant et inoubliable de la Casa de Papel. Un tel personnage ne pouvait que réussir sa mort. Tandis que le reste de l'équipe regagne le tunnel par lequel ils avaient prévu de s'échapper, la police fait irruption. Berlin décide alors de les retenir et ordonne à l'un de ses camarades de faire sauter l'accès au tunnel. Voilà le tunnel. Il choisit donc de se sacrifier pour permettre au reste du groupe de s'échapper. Cette décision bouleverse le professeur. Mais malgré les supplications de celui que l'on découvre être son frère, il insiste pour que le tunnel soit détruit. Helsinki finit par obéir. Berlin s'élance alors vers les policiers et offre à la série une mort qui lui permettra de marquer les esprits. Il meurt avec son frère pour témoin, sous le regard ému du spectateur. Pourtant, sa mort aurait dû nous réjouir. Les braquages ont toujours fasciné les réalisateurs. Un groupe de personnes au profil varié qui s'allieraient pour commettre un crime de haut vol. Et pour créer un cocktail explosif, sont apparues des figures imposées. Le leader, le hacker, l'impulsif, le maillon faible, le traître. Et au sein du gang qui s'est attaqué à la Fabrique de la monnaie espagnole, Berlin était l'imprévisible. Celui à la gâchette facile, prêt à faire basculer le braquage en carnage. À l'instar de Monsieur Blonde dans Reservoir Dogs. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il prendra des décisions qui déconcerteront le gang, comme faire passer à tabac Rio ou ordonner l'exécution de Monica, enfreignant ainsi la règle sacrée. Le professeur dijo que no íbamos a derramar nada de sangre, que eran las reglas. Au début de la série, Berlin apparaît donc comme un personnage hostile qui mettra tout le monde sous tension, y compris le spectateur. Mais la mort de Berlin nous a touchés. Sa mort cache peut-être le secret de l'amour du public. Regardons cela de plus près.
Il arrive parfois que la perception d'un personnage hostile change auprès des spectateurs. Pour y parvenir, un élément peut aider à susciter l'empathie. C'est ainsi que Jaime Lannister, l'un des personnages les plus méprisables au début de Game of Thrones, commencera à être apprécié du public après s'être fait couper la main. De même, si le public accepte en partie la tournure sombre que prend Walter White, c'est parce qu'il est atteint d'un cancer incurable. Dans la Casa de Papel, c'est la maladie génétique de Berlin qui jouera ce rôle. Avec cette révélation, son attitude tout au long du braquage n'est plus celle d'un personnage arrogant, mais celle d'un condamné. Et lorsque sa mort arrive, pour le spectateur, elle ne fera plus l'homme puissant du début de la série, mais un homme malade. Un homme malade, mais surtout, un frère. Une ultime révélation fera chavirer le public. Tout au long de la série, on sent qu'un lien fort unit le professeur et Berlin. La révélation de leur fraternité, au moment précis de sa mort, la rendra d'autant plus émouvante. Dans Star Wars, par exemple, la révélation du lien entre Luke et Vador arrive bien avant la mort de ce dernier. Dans la Casa de Papel, elle arrive alors que l'émotion est déjà à son paroxysme. Après Moscou et Oslo, ce n'est plus un autre membre du gang qui meurt, mais le grand frère du professeur. Une révélation au timing parfait qui accentue l'émotion suscitée par sa mort. Une mort qui révélera son vrai visage. Sous le masque de Dali se trouvait un autre masque. Son sacrifice révèle un trait insoupçonné de sa personnalité. Pour le spectateur, Berlin était un personnage imprévisible, mais avec sa mort, il révèle sa vraie valeur. Derrière cette personnalité clivante se trouvait en réalité un homme prêt à tout pour la réussite du plan et la survie de ses coéquipiers. En se sacrifiant pour les autres, il se rachète auprès du spectateur. Avec sa mort, Berlin a changé son image auprès du public. Un revirement aussi spectaculaire qu'inattendu. Et si en réalité, Berlin avait prévu sa mort? L'un des ressorts de la série, c'est qu'à chaque fois qu'un contretemps arrive durant le braquage, le professeur l'avait prévu, montrant à quel point le plan avait été préparé avec minutie. Si longtemps Berlin n'était qu'un membre parmi d'autres de l'équipe, il se révèle finalement être l'un des cerveaux de ce plan audacieux. Et par la suite, les flashbacks nous feront découvrir qu'il était un véritable stratège, à l'origine de coups créatifs et ingénieux. Aussi, pour un braquage où toutes les éventualités ont été envisagées, difficile de croire que Berlin n'avait pas envisagé celle de sa mort. En fait, Berlin avait un plan pour sa mort. Juste avant de se sacrifier, Berlin explique qu'il ne se voit pas vieillir. Il nous révèle donc qu'il s'est toujours vu mourir lors d'un braquage, comme son père. Et s'il devait en être ainsi, il choisirait certainement le plus grand de tous. Mieux encore si c'était le coup dont son père rêvait. Mourir lors du braquage de la fabrique de la monnaie était donc tout désigné. Pourtant, il nous avait laissé des indices. Enfin stratège, Berlin sait que son frère s'opposera à son sacrifice. Voilà pourquoi il lui fera promettre plusieurs fois de l'abandonner si le plan venait à mal tourner. Une promesse que Berlin lui rappellera au moment de mourir. Et que son frère sera forcé de tenir. Et tel un artiste, il mourra sur scène. Berlin est un artiste du braquage. Il fait preuve de génie et de créativité. Celui de la Fabrique Nationale de la Monnaie sera son chef-d'œuvre. Une dimension artistique que l'on retrouve avec le masque de Dali que portent les braqueurs et qui sied d'autant plus à Berlin. Et quoi de plus beau que d'achever la plus grande œuvre de sa vie par sa propre mort? Tel un artiste, il rêvait de mourir sur scène. Et la Fabrique Nationale de la Monnaie est le théâtre idéal pour tirer sa révérence. Si la mort offre aux artistes la postérité, avec son sacrifice, Berlin devient un véritable génie du braquage. Avec sa mort dans la Casa de Papel, l'imprévisible Berlin nous révèle qu'il avait tout prévu. Le personnage de Berlin a conquis les spectateurs et marqué les esprits avec sa mort, au point de revenir dans les saisons suivantes sous forme de flashback. Son esprit et son charisme continueront de jalonner la série. Et si la Casa de Papel est définitivement terminée, que les fans se rassurent, le personnage aura droit à son propre spin-off, retraçant la préparation et le braquage d'une maison de vente aux enchères parisienne. Une occasion de plus de partager les aventures de ce gentleman braqueur. No te detengas ahora en esas minutias, Rui, por el amor de Dios. Finalement, le plus gros coup de Berlin, c'est d'avoir braqué le cœur des spectateurs. Si Berlin a réussi son braquage auprès du public, nombreux sont les personnages hostiles qui ont fini par toucher le cœur des spectateurs.
Bon, la balle n'est pas celle d'un policier. Conclusion. Notre braqueur a été trahi par l'un des siens. Allez, découvrons le vrai visage de la mort. Tiens. La mort a un visage familier. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Pour connaître toute l'actualité du coroner, rejoignez Chronique Fiction sur les réseaux sociaux. On peut rater sa vie, mais pas les prochains épisodes du coroner.